Hola a todo el mundo, espero que les vaya bien, estoy bien. Hoy, nuevo video en mi canal de YouTube. Dédicace à la classe des CI, si t'as pas encore été voir la dernière vidéo, celle de ce dimanche, n'hésite pas à aller voir, c'est sur Minecraft, sur la série d'aventures, voilà. On a découvert une grotte, c'est super, full combat, il y a eu plein de monstres, zombies, squelettes, araignées, on a été servi. Donc n'hésite pas à aller voir, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à venir voir la page Instagram, voilà, les publications des stories. Pour te dire qu'une nouvelle vidéo est sortie, pas mal de sondages, voilà. Passe voir aussi parce que là je vais faire un tournoi samedi sur ma chaîne YouTube. Donc un tournoi sur Clash Royale. Passe voir, ça serait trop bien si tu serais là, si tu peux être là. Voilà. N'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Let's go les amis, aujourd'hui, petite vidéo sur Clash Royale. Voilà, en attendant le grand tournoi de ce week-end. N'hésitez pas à aller voir la page Instagram, c'est là où je vais mettre les heures. Donc venez voir. Donc voilà, petite vidéo. Clash Royale avec opening, pack opening, avec des petits matchs, donc des petits combats, on monte en arène, c'est super, je voulais voir la suite, profitez à fond de cette vidéo, et à tout de suite. Donc voilà la team, on se retrouve sur Clash Royale, voilà on a 2059 trophées, on est bien monté, arène 7, c'est un truc de fou. Là donc là on va faire un petit combat avec contre notre petit pote Julien, voilà donc on va voir, on va se mélanger un peu les niveaux. Lui il a quand même à 5302 trophées. Donc c'est un autre niveau, c'est autre chose. Mais on va voir ça. On va défendre sa Valkyrie déjà avec le mini PK. Ça va, toutes nos cartes sont niveau 11. Il n'y a pas de changement de niveau là-dessus. Allez, notre petite mousquetaire. Ah non, elle touchera pas la tour. Parce que le sorcier est bien là pour défendre. Oh, notre fuite gobelin. Ouais, non, c'est. La défense, c'est vraiment du rafistolage. Ok, là, faut défendre avec l'armée de squelettes. Oh là, non. Oh, le pré-shot. Ok, on n'a pas de chance en ce début de game. Il a bien touché le. Il a bien fait mal quand même le cochon. C'est galère. Distraction de l'autre côté. Ok, là on l'a bien défendu le fût de gobelin. Mousquetaire toujours. Elle fait mal la Valkyrie, elle fait mal. Elle va nous toucher. Elle va bien toucher. Oh non, on n'a pas la carte. Bon, elle a voulu nous pré-shot, elle a voulu pré-shot l'armée de squelette, mais elle était pas là, elle était pas là. Oh, il a bien touché, en vrai, on galère. Est-ce qu'elle va toucher l'armée de squelette? Oh non, oh lolo. Ah, le mini PK, il fait du bien. Il fait du bien. Là, faut mettre. Ah, je savais que c'était mort. Le fut barbare, c'était mort. Alors, pire défense de tous les temps, la mousquetaire pour le cochon, pire défense. Donc un autre fût de gobelin pour contrer un fût de gobelin, c'est le rafistolage défensif. Oh putain, il est encore pré-shot. Ah, il est chaud. On peut avoir sa tour. On peut l'avoir. J'espère. Oh non, en vrai, on va pas l'avoir, c'est sûr. Oh non, j'ai trop le seum. J'ai la haine. On n'a pas sa tour, 60 PV. Bien joué. Let's go, on va partir en 2v2. Donc le tirage. On va voir le tirage, les cartes qu'on peut avoir. En fait, pour le tournoi de samedi, n'hésitez pas à me dire si vous préférez en commentaire si vous préférez que ce soit un tirage ou chacun son deck. Donc voilà, j'ai eu plusieurs avis, c'était vraiment du 50-50 sur Instagram, donc dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas voilà, à venir sur Instagram pour me dire que vous voulez participer.
En plus, c'est en élixir x2, donc là, ça va. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ah, je suis désolé, je peux pas cibler là parce que ça part un peu dans tous les sens. Oh là là, là le côté droit il est plein. Oh, j'ai mis la foreuse alors que ça servait à rien du tout. Ça servait à rien du tout. Donc les deux tours sont bien touchés alors que nous on n'a même pas fait une attaque encore. On défend pas si mal que ça, ça va. Et on a bien touché avec le golem. Ça a bien touché le golem. 10 à 1800, 1700, là sa tour, c'est bien. Ouais, let's go, on a bien défendu. On a bien défendu. Il faut continuer, ça attaque de beaucoup, de partout là. Il faut continuer. Oh, le golem. Le golem qui part. Mais l'autre côté, on s'est pas défendu du tout. Aïe aïe aïe. Première tour prise. Et le golem qui vraiment frappe, mais légèrement. Ah, c'est bon, j'ai compris que la foreuse c'était quelque chose d'offensif. Oh, on l'a bien touché. Mais 30 secondes là, ça va être. Ça va être chaud. Ça va être chaud, surtout qu'il nous mange la deuxième tour, il nous mange l'autre tour. Oh là là, le tour, elle prend cher. Elle va prendre très très cher. 800 et 500. Oh là là, ça. C'est finito. La deuxième tour qui a été prise, il reste 10 secondes. Et les tours sont tous à plus de 1000 PV, c'est mort. Faut juste défendre et éviter de prendre la sauce. Oh, tant mieux que le combat se finit maintenant là. J'espère que t'auras kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. On se dit à dimanche pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao la team!